that I would not. I feel good. I knew that I would not. Et on se retrouve donc so good. Ouais, j'espère qu'il y aura moins de blabla comme ce que j'ai dit. Ouais, donc excusez-moi si je suis en pause. Donc allez, on va y aller. Ah, ça passe vite. Ça me fait peur, excuse-moi. Allez, on n'en reparle plus. Donc, ouais. Donc la dernière fois, on avait fait un test. Ça s'était plutôt mal terminé pour moi. Enfin bon, c'était un bug de sneak. J'aurais très bien pu survivre. J'avais pas beaucoup de cœur, mais bon, j'aurais bien pu survivre quand même. S'il me rappelle, par contre, faut que j'écoute parce que bon. Ok, excusez-moi. Et encore, ouais. Allez, go. Ouais, c'est que ça me tracasse de. Enfin, ça m'énerve de le virer comme ça, là. Enfin, bon, c'est ce que j'avais dit. Enfin, c'est que j'ai trop tendance à regretter ce que je fais. Ça m'énerve d'avoir tendance à regretter parce que, bon, ça. Ça fait type toujours au moins sérieux, ça, de regretter ce qu'on fait. Bon, c'est fait, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que j'aurais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? Ouais, on va arrêter. On va pas arrêter cette saison, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça le problème et tout. Bon, allez, on va quand même reprendre par une ambiance festive. On ouvre ce coca. Ah, waouh, ah, ça démonte. Ouais, ce coca. Mais. Comme ce que j'ai dit, on aurait pu le TP, voilà, mais bon, il a pas répondu. Donc maintenant, tu sais pourquoi, hein. C'est. Voilà. Excuse-moi si tu rages. Voilà. Donc, après ce gros fail du début, bon, on essaiera de mieux s'organiser pour la prochaine fois. Quand je dis 1 heure, s'il vous plaît, venez à l'heure. Hein. Donc, ça marche aussi pour les personnes hein, qui seront nouveaux, s'il y en a. Donc, la saison 2, ça pourrait être. Ça pourrait être. Comment ça s'appelle? Ça pourrait être en team en théorie, mais bon. Faut qu'on trouve du monde avant d'être en team. Donc, saison 2, je pense plutôt qu'on sera encore en solo, mais il y aura des nouveaux trucs. Genre Eternal Day. Peut-être le plugin Mumble, mais bon. Souvent, c'est que les personnes qui filment et les personnes qui sont pas filmes, qui ne filment pas plutôt, ben. Ils sont plutôt désavantagés ceux qui filment, puisque eux, ils sont obligés de parler pour vous proposer du contenu et. Ainsi que du commentaire, pour pas que vous vous ennuyez, ou de la musique si il est malin. Mais bon, moi je sens que je vais pas être malin, donc forcément je vais parler. Donc on sera forcément des. Nope, j'ai. Non, je vais pas dire nope, j'ai dit, ça se dit pas. Pourquoi attends? Xoz il est parti? Attends, Ezio plutôt, il est parti. Oh non, mais ça m'énerverait, ça, qu'il soit parti. Parce que là, ça m'étonnerait pas qu'il ait suivi. Oh non, ça me dégoûterait littéralement hein, qu'il soit parti. En tout cas, c'est sûr que, ouais. Par contre, je vois pas où il pourrait être, truc. Attends, je vais reposer la question. Quand même, parce que, bon, j'ai envie de savoir ça, parce que... C'est un peu gênant. Un peu délicat à gérer, ça. Mais si vous voulez, on s'en retourne, hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. Ouais, je pense qu'on fera ça, vous voyez. Je vais en tourner un deuxième, peut-être d'affilée. On s'en fera. Peut-être pas d'affilée, mais un autre jour. Donc, si vous envoyez un autre, ne vous étonnez pas. Ça sera la saison 2 qui suivra. Donc, sinon, je crois que je vais les mettre les dimanches à la place du LP. Les trucs de KTP. Comme ça, j'aurai le temps d'avancer sur le LP pendant que ça se diffuse. Vous voyez, c'est plutôt malin de ma part de faire ça. Enfin, surtout, ça m'empêche d'être. Enfin, comme ça me donne le temps, en gros, de faire tout ce que j'ai dit. Sinon, c'est un peu chaud.
Je vais lui reposer la question parce que je comprends pas. J'ai dû faire, mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont eu avant moi. Là là, t'es pas sérieux. Ouais, ça c'est plutôt négatif, ça par contre. C'est horrible. Mais bon, ça me gênerait un peu de tout recommencer parce que voilà. Ouais, ils ont pas tort, mais... Ouais, sorry Brian, mais voilà. Donc, ok, on arrête. Allez go. Ouais. Donc à la recherche du diams, je me mets toujours couche 10. Ne me posez pas la question pourquoi. Ok. On commence par de l'or. Ça c'est plutôt cool. Par contre on n'a pas de pommes. Épisode 3, on ira en chercher. Donc cette fois voilà. On est tranquille. Donc on aura passé 8 minutes à discuter et à miner un peu. Mais bon, on a fait plus de discussions que de minage. Voilà. Donc cette fois, la prochaine fois on s'organisera comme ce que je vous ai dit. Je ferai un vote, je ferai un vote. Mais bon, c'était la première fois, donc je savais pas trop s'il fallait que je fasse voter les gens ou pas. Bon, on verra bien ça. Mais bon, ça me dégoûte quand même un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc la stratégie, pour l'instant, j'en ai pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir surtout. J'ai vraiment peur de ce que des bêtises que je pourrais faire parce que je sais que je suis trop doué en bêtises. Donc faire attention. Donc alors, ce qu'il nous faudrait déjà, c'est de la lave, du diamant. Donc 5 diamants, ça serait pas mal. 5 diamants, même le meilleur, ça serait 7. Mais bon, 7, faut peut-être pas rêver non plus. Comme ça, on aurait pu avoir une épée et tout ce bazar. Ouais, on a 8 d'or. On a de quoi se faire une pomme parce que la dernière fois, j'avais quasi pas d'or. J'avais ouais, juste à peine de quoi me faire une petite pomme d'or. Mais bon, ça n'a pas suffi à me faire survivre. Comme ce que je vous ai dit hein, lors de l'essai. Si vous vous en souvenez pas, même si je vous ai rabâché tout l'épisode ainsi, c'est pas aussi un peu dans l'épisode 2. Sinon, attends, la nourriture, on en est à où? J'ai l'impression que j'en ai laissé en haut de la nourriture. C'est possible, on va attendre. On va remonter rapide. On va prendre ça, on va faire cuire ça. On va mettre 2 de charbon. Allez, here we go. Allez. Allez, on monte tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, 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 tranquille. Alors, 8, ouais, bah ouais, ça fait quand même pas mal de trucs. Hein. Si on l'avait oublié là, ça aurait été un peu dégoûté quand même, hein, parce que ça fait pas mal de nourriture. Donc, je sais pas, il fait jour ou pas. Est-ce que c'est marqué? Bah attendez, on va voir. De toute façon, il suffit juste de d'aller là pour voir. Mais what? Ouais, fait jour, mais bon. Si, vous savez quoi? Non, je vais pas remonter tout de suite. On est 6. Donc au total, en fait, ça fait comme si on était 7. Puisqu'il y a... Il y a... Comment il s'appelle? Ben, il y a Ezio qui a quitté, malheureusement. Mais bon, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas grave, parce que c'est grave quand même. Parce que c'est l'un des membres principaux de la team quand même. Bon, alors.
16 de regret et continuons. Pas mal d'or, ça c'est bien ça. C'est du bon boulot. Wow. Par contre, ouais, comme ce qu'on dit, normalement en théorie dans les KTP, le minage optimisé est interdit. Parce que vous savez, ils creusent juste pour aller dans. Enfin, dans le vrai KTP, puisque là c'est un Kill the Pierre, c'est quand même un KTP, mais c'est pas grave. Donc, en théorie, ils ont pas le droit de creuser en mine opti, à part si c'est pour trouver des grottes. Et donc, GG. Oh là là, il y a déjà du diams. Perso, j'ai pas cette chance. Enfin, pas actuellement en tout cas. Malheureusement. Vais peut-être enlever le F3 juste. Du fer. Ça, c'est cool, ça aussi, le fer. Le charbon, pourquoi pas. En plus, ça rajoute de l'XP. 10 d'XP, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est même bien. On pourrait dire ça comme ça. Eux aussi, la dernière fois, je crois que j'en avais trouvé. Bah oui, justement, derrière le charbon, j'avais trouvé du diams. Mais bon, c'est plutôt rare parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir du diamant derrière du charbon. Mais la preuve que ça existe. Voilà, si vous le saviez pas, mais bon, je pense que tout le monde le sait, qu'on peut en trouver n'importe où. Aussi, une fois, je crois. Ouais, sur Applecraft, j'en avais trouvé une fois derrière de la redstone. J'étais plutôt content, c'était pas mes premiers diamants, mais ça devait être mes deuxième ou mes troisième. Enfin mon deuxième ou troisième filon, je veux dire. On va pas se nourrir tout de suite, on attend d'en avoir trois, comme ça au moins ça sera plus rentable. Plus ça donne de l'XP, donc on n'hésite pas à la redstone, même si ça nous sert à rien. Hein. Au moins ce qui est bien, le lapis ça sert à rien, puisque. Encore de l'or, waouh, au niveau de l'or par contre je suis tranquille là. Je suis bien 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 tranquille. Wow, ah ouais, largement tranquille, tu m'étonnes. Ouais, j'ai de quoi me faire deux pommes. Je trouve deux pommes et je suis tranquille là. Par contre, ouais, la dernière fois j'avais absolument pas cette chance, mais je suis content de l'avoir actuellement. Parce que bon, ça m'aurait bien servi le jour du test. Vous savez quoi, on va creuser des trucs de 3 par 3 de temps en temps comme ça. On sait jamais, on pourrait trouver peut-être des trucs intéressants. On est toujours à 10 de hauteur sinon. 9. Bon, donc on va juste monter de 2. Bah, au pire, c'est pas très grave si on trouve pas grand-chose tout de suite. Par contre, les pioches, ça se finit vite, hein. Wow. Alors, ouais. Surtout, tout de suite, le plus important, c'est le fer. Et on va commencer à se faire du stuff. Au moins ça fera notre minimum. Donc je sais pas trop qui c'est qui filme à part Chekonio et peut-être Monsieur le Gamer qui filme. En parlant de ça, GG. Et là, c'est pas très très beau ça. Pile au moment où je parle de lui, comme par hasard. Porté malheur. On est déjà plus que 5. Ça passe tellement vite quand on n'est pas beaucoup. GG, plus rapide que moi pour une fois. Bah bien joué. Bien joué, bien joué. T'as fait du bon boulot. Du bon boulot. Oh là là. Ouais, attends, j'ai pas bu encore assez de coca moi. J'ai amené deux trucs, mais en fait ça servira quasiment à rien. Allez, je bois un peu. Excusez-moi.
parce que ça donne soif. Hein. N'hésitez pas à vous hydrater, hein, c'est toujours utile. Ça peut l'être, oui, utile, si vous ne le saviez pas. Enfin, si vous ne le saviez pas, c'est plutôt que ça commence à devenir problématique. Ok, du fer, cool. On va aller le poser immédiatement dans notre four. Mais bon, on trouve que du fer. Mais bon, on peut se faire un stuff en fer qui est très bien. Mais bon, faudrait juste avoir une table d'enchant. Et ça, la table d'enchant, on l'a pas actuellement. Ça me gênerait pas de partir au combat sans épée en diams. Mais bon, je préférais au moins avoir une sharpness hein, en fer. Minimum. Mais le mieux, ça serait quand même sharpness 2. Faut pas se mentir. Tout le monde préfère une sharpness 2 à une sharpness. Hein. Je sais pas pourquoi je mine comme ça. Mais bon, on sait jamais, on pourrait trouver des petits bijoux par là. Par là. Ouais, 5 personnes, ça fait pas beaucoup. Alors. Minutes. J'ai entendu une araignée, pas une araignée, une chauve-souris. On remonte, je sais, mais c'est pas grave. Wow, là c'est dangereux ce que je fais. On tape pas une araignée, n'importe quoi. Chauve-souris, c'est pas très utile dans la vie. Émeraude, t'es pas sérieux? De l'émeraude. Encore! What? Ouais, je suis en Extremis Plus. What? Je savais même pas que. Waouh! Ah, ça, quand vous faites une cité des sables ou un truc similaire, what? En plus, un mineshaft. Oh la chance! Là, par contre, à ce niveau-là, la chance, elle a frappé. Surtout à ce niveau-là, il est plutôt bas. Enfin, plutôt bas. Tout le monde, on se comprend. Hein. Pas trop bas non plus, mais ça va. Donc le fer aussi, ça c'est utile pour se faire désenclumer tout ça. Eh ouais. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Je vais peut-être pas poser non plus des émeraudes partout. Hein. Je vais peut-être même pas du tout en miner. Mais bon. Ouais, se crafter des... S16. Qui c'est qui reste? Ah bah normalement Sneezy est encore là et ça c'est cool ça. C'est bien parce qu'il tient. C'était pas lui en qui les gens auraient parié mais ils auraient peut-être dû parce que bon, il fait plutôt des belles performances par rapport à ce qu'il nous montre habituellement. Ok, un zombie, un zombard. Par contre un bug de cou et là ça fait mal. Waouh, pas pris de dégâts en plus, ça c'est cool. De la lave, c'est un peu moins cool. Enfin, moins cool quand t'es en dessous, plus cool quand t'es en dessous. Non, moins cool quand t'es en dessous, plus cool quand t'es. Ouais, c'est pas grave, dans les deux cas en fait, c'est nul. Non, ça peut être très utile, surtout dans le cadre. D'accord. Dans le cadre où on veut faire quelque chose. Oula. Où c'est qu'il a spawn? Oh oh, là par contre je me barre, il y a trop de mobs. De mobs. Ok, nickel, ça va lui. J'ai l'impression, à part si c'est. Guimard 03, il a 12.
Par contre, c'est bien que Gamer soit à 12 au niveau parce que lui il est meilleur au PVP donc bon, il peut nous gérer. Eh ben, on se retrouve, ouais, j'expliquerai ça dans l'épisode 3. Allez, à tout de suite.